Dans notre championnat du monde. Ça fait 40 ans qu'on les a pas eus. On est parti sur un parcours de sélection très dense. Ça fait à peu près un an et demi qu'on est dans ce championnat déjà. Et puis depuis 6 mois après les championnats d'Europe, on a vraiment fait la dernière ligne droite. On a eu un parcours d'été très fort en densité avec beaucoup de stages, des stages de volume physique, des stages de progression technique. Et puis là, on est dans l'affinement. À 10 jours des mondes, je crois que tout le monde, chacun des sportifs a vraiment conscience de l'importance de l'événement et surtout du rôle qu'il aura de création lui-même dans ce championnat qu'il faut absolument pas qu'on subisse et qu'il faut qu'on écrive à notre façon. Alors là, spécifiquement aujourd'hui, à 10 jours des championnats, une journée type à Marcoussis, donc on est dans la salle du Centre National de Rugby qui nous est réservée. Aujourd'hui, vous avez pu voir une succession d'entraînements personnalisés, puis aussi vous avez pu voir le groupe des garçons qui s'est entraîné pour forger cette espèce d'état d'esprit très collectif qu'il nous faut absolument pour pouvoir conquérir le titre dans la catégorie de l'équipe garçon qui nous manque aujourd'hui. Vous avez vu également qu'on était très supervisé par les médias, les vôtres bien sûr, plusieurs télévisions. C'est pas fréquent chez nous, on n'est pas un sport olympique, même si on a une très très grande universalité, beaucoup plus d'universalité que beaucoup de sports qui sont inscrits au programme des Jeux. Aujourd'hui, voir beaucoup de journalistes auprès de nous, ça nous surprend par l'ampleur, mais en même temps on est content et puis on estime ça légitime. Donc j'espère qu'on va donner une bonne image, j'espère qu'on va voir que les karatés sont des sportifs très très accomplis, en détente, en force, en vitesse, en stabilité. Et puis j'espère qu'on donnera beaucoup de plaisir d'abord aux 15 000 spectateurs qui ont déjà rempli Bercy depuis 6 mois, puisque les tickets des finales du samedi et dimanche sont déjà vendus depuis 6 mois, ce qui est absolument merveilleux, 15 000 personnes pour nous. C'est un magnifique plateau qu'on donne aux sportifs et c'est une merveilleuse perspective aux karatékas français. We'll be right back.